Hello les amis, on se retrouve dans la suite de nos aventures sur Assassin's Creed Odyssey. Donc la dernière fois, on nous avait demandé donc de nous rendre ici, sur la petite île de Skyros qui est juste à côté. Mais on va pas faire ça, on va d'abord aller explorer la pointe d'Artémission qui se trouve ici. D'ailleurs avec un point d'exclamation qui me paraît bizarre ici. Je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant à les voir. On a une quête à côté et trois points d'exclamation ainsi qu'un lieu non découvert. On a pas mal de petites choses à faire. Donc, aujourd'hui c'est de l'exploration et probablement quelques quêtes à faire. C'est quoi ce bordel? Pourquoi on ne peut pas monter ici? Voilà. Donc là on va monter un pied parce que apparemment la monture c'est compliqué. Quelle noble créature. Ah, il y a... Ça fera envie aux dieux eux-mêmes. Une biche, apparemment, la biche à aller chasser. Donc c'est un animal légendaire. On avait déjà eu le sanglier que je n'avais pas pu vous montrer en vidéo parce que ça avait planté, ça avait bugué l'enregistrement. Mais là, apparemment, il y a bien un animal légendaire à chasser par là-bas. Ce qu'on va faire, on va sauvegarder parce que ça promet du lourd. Donc on va essayer de l'attaquer tranquillement. Des poids d'or comme on peut le voir. Esquive. Esquive. Allez, Furax, hein, elle me défonce. On se remet de la vie. Merde, j'ai fait quoi? J'ai appuyé sur la mauvaise touche! Sauf qu'il a contré ma flèche. Ah la vache, il m'a bloqué. Ça fait mal. Ah.
L'esquive au bon moment hein, sur ces boss là. Faut taper de l'esquive. Aïe 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 aïe. Voilà, c'est bon, on l'a eu par derrière, on lui a mis 40% de dégâts supplémentaires. La biche de Serini, c'est fini. Elle s'est fait démonter. On n'en parle plus. Est-ce qu'elle nous a looté quelque chose d'intéressant? On devrait aller rendre... cette récompense à qui va de droit. Alors l'endroit où il faut rendre ces quêtes se trouve à Phokis, il me semble, que je dise pas de bêtises. Ouais, il se trouve à Phokis dans ce secteur là. Il y a un PNJ qui nous récupérera la quête. Voilà, en tout cas, c'est fait. Après le sanglier, la biche. Alors, on va se rendre au point suivant. Ici. Ah!
Merde, je me suis foutu le feu à moi-même, bravo. Bravo Kearny, alors là. T'es un bon mon gars, t'es un bon. Petit lag. Pas ton geste. Voilà, ce camp est fait. Allez. Une petite synchronisation. On va se diriger au point près de la plage, je pense. Plus particulièrement, on pourrait aller aussi... à cela. Ah, on peut aller par là aussi. Faire d'abord ce point là, c'est plus court. Alors les grottes nord.
Voilà, c'est récupéré avec quelques minerais au passage. On est à pas loin de 200 mètres du prochain point. On a attaqué les deux en simultané. Encore une fois, ça fait un peu de compo. Comprend de Cryos. Si je veux éviter un combat, je dois rester caché. Alors on va laisser tout ce joli monde venir. Ensuite, on a deux camps, enfin on a deux points non vérifiés près de la côte. Donc un, si je mes souvenirs sont bons,
à l'est, enfin au nord, et l'autre qui est à l'ouest. Donc on va aller explorer ces deux points. Oh, c'est un peu haut tout ça. Minerai d'or et calque. Il y a bien quelque chose là-bas et ça ressemble à un tombeau. Alors n'étant pas un grand fan des tombeaux, on va sauvegarder. Les serpents, ça nous fait peur. On prend feu en plus, bravo. Bravo Carny. Il y a moyen de lancer cette torche. On va aller voir dans la pièce à côté déjà. Apparemment on en a tué un sacré paquet. Ouais, c'est bon. Ils sont tous carbonisés.
peut-être faire une petite sauvegarde quand même. Je sais pas où ça mène, mais il y a de la flotte, beaucoup de flotte. On va déjà faire les autres chemins. Une petite sauvegarde. Allez, on replonge. Je sais pas où je suis, mais j'y suis, ça c'est sûr.
un bâton au serpent. Ça remet vers la sortie, donc on a zappé quelque chose. On n'a pas trouvé la stèle ancienne. Malheureusement, c'est un peu ce qu'on cherche. Ah tiens, la voilà. J'étais passé à côté, je l'avais pas fait gaffe. Ça me prend encore un point d'aptitude de débloquer. Alors, tombeau d'Artémision terminé. Allez, ici. C'est que de la côte tout le long. On est obligé de remonter un peu pour pouvoir nous y rendre plus rapidement. Vilaine chute. On va y aller toujours à la bourre. Alors, carrière d'Oreo. Encore un endroit où on risque de croiser pas mal de monde. Ici, j'aurai des ennuis.
déjà, vu le nombre qu'il y a ici, j'ai pas envie de me prendre trop la tête. Regardez où se trouvent les trucs stratégiques. Il y a un sacré paquet de monde dans ce fort. On établit un piège. Lui veut sonner l'alarme aussi. Les empiles les cadavres. Ça va très vite. Je crois que le ménage est fait. Allez les lags, vous faites chier. La juge des Spartiates qui est en train de tomber, de chuter littéralement. Ouais, elle est affaiblie pour le moment et ça continue. Hein. Ah, il y a encore des gardes en haut.
Voilà, un petit plastron athénien. Un objet de quête aussi. Donc encore un camp de fées. Bon, on a vraiment bien clean le secteur. C'est plutôt propre. J'espère donc que ce petit épisode vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, à me donner votre avis à la suite de cette vidéo en commentaire. Je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode d'Assassin's Creed. Salut les amis!